De Sébastien Vahamaina qui s'est exprimé aujourd'hui chez nos confrères de Midi Olympique. Évidemment, Sébastien Vahamaina, l'homme de la Coupe du Monde côté français, très touché après son carton rouge et son coup de coude. Il s'est livré. Il a dit notamment dans ma tête, je n'avais qu'une seule question, comment j'ai pu faire ça. Il s'en est extrêmement voulu. Sébastien Vahamaina, et on est allé chercher, on parlait de témoins privilégiés, Johnny Wilkinson, Brian Abana, dans Daily Sport, vous aurez aussi Thierry Dussautoir, emblématique capitaine de l'équipe de France, qui justement donne son point de vue sur l'affaire Sébastien Vahamaina. Il a fait une erreur, le premier à l'avoir payé, c'est lui quand même. Moi, je connais un petit peu, je sais que bon, il a été impulsif, mais bon, il est impulsif. Maintenant, faut passer à autre chose. Je veux dire, je suis très triste de voir qu'il a annoncé sa retraite internationale, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur ce poste. Il y a énormément de progrès à faire selon la discipline. Ça, je pense qu'il le sait, mais c'est pas en arrêtant qu'il pourra progresser, nous montrer que toute l'étendue de son talent, quoi. Donc il faut passer à autre chose. Ça sert à rien de tous les jours de sa vie lui rappeler qu'il a fait une bêtise, quoi.